de l'homme qui voit des ennemis courir vers lui pour le blesser. Mon enfant me fuit et trouve un ami qui lui offre une bonne cachette. Ses ennemis le cherchent, et plus ils le cherchent, et plus leur colère grandit. Ils sont furieux. Un jour, l'homme n'en pouvant plus de sa prison, sort de son refuge. Ses ennemis le voyant bondissent vers lui. Ils se sentent forts. Notre homme a peur et fuit toujours. Mais un jour, n'en pouvant plus, il se retourne et voilà que ses ennemis allaient le blesser. Mais, surpris, il s'arrête net devant celui qui l'a fait en faire face. Que me voulez-vous à la fin, dit-il avec force. Que tu es, dirait-il sans cœur. Il fait un pas vers lui, mais celui-ci fait toujours face et prend un bâton qui traîne par là. Et cette fois, sans plus attendre, se lance le premier vers eux. Les autres surpris ne le reconnaissent pas et devant le courage et la puissance qu'ils dégagent, préfèrent fuir à leur tour. Notre homme se retrouve seul. Il est très étonné de voir qu'ils ne sont plus là. Il rit de lui-même et il se dit qu'à l'avenir, il ne fuira plus ses ennemis. Et même, il les remercie. Grâce à eux, il sait aujourd'hui qu'il a du courage. L'ange merveilleux sourit et dit, toutes ces choses-là, vous devez les comprendre si vous désirez atteindre les secrets de votre monde pour rejoindre ceux des cieux. Parce que, en fait, sur Terre, le plus grand travail que nous allons faire d'évolution ne sera pas avec nos amis, mais surtout avec nos ennemis. Nos amis nous apprennent la fraternité, nous apprennent, ils nous consolent, ils nous savent, ils sont bons à avoir à un moment. Et le problème, sûrement, c'est que si on reste trop dans le milieu amical, on n'assume pas ce qui à l'extérieur est expérience d'évolution. Alors, je sais que ça paraît très difficile parce que on se dit, maintenant, mais c'est bien quand même d'être ami de quelqu'un. Mais donc, la leçon est, tendre sa main, c'est un travail très important. Vous savez, moi, j'entends souvent une certaine chose. Je vais vous raconter une histoire de quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, je ne sais plus comment faire. Hein. J'ai mon ami qui est venu chez moi, son mari l'a quitté. Et donc, elle s'est retrouvée sans travail, sans maison, sans rien. Et donc, elle est venue me voir pour savoir si je pouvais l'accueillir. Mais maintenant, ça fait un an, elle n'est toujours pas partie. Or, bien entendu, ça occasionne un problème entre elle et son compagnon, qui, lui, commence à trouver le temps long. Ils n'ont plus la même intimité. En fait, ce que je lui ai dit, c'est que aujourd'hui, il faut réfléchir. Il fallait simplement dire à son ami, écoute, ma maison est grande ouverte pour tout le temps que tu veux, pour un mois, deux mois, le temps que tu trouves quelque chose, mais surtout, dis-toi bien que c'est pour un temps. Parce que moi, j'ai ma vie à faire et j'ai beaucoup de choses à régler et j'ai envie de garder ma liberté. En fait, si votre ami est une vraie amie, elle comprendra la situation. Mais le problème, c'est que nous nous laissons, combien de fois ma femme est arrivée, combien de fois j'ai dit des oui, qui m'ont été après une chaîne, hein, parce qu'ils dépassaient ce que je pouvais promettre. En fait, ça a une grande importance. Voilà. Alors, je vais quand même relire l'enseignement, parce qu'en fait, il n'est pas très long, mais il y a beaucoup de questions qui normalement se posent. Et que vous avez à encore la poser, sinon pas de questions, pas d'enseignement, on rentre chez nous tranquille. Et bon, moi je pense que c'est dommage. Donc je vais vous relire l'enseignement de Saint-Étienne. Que font de vous vos amis? Ils vous consolent, mais vous ne cherchez pas à comprendre le sens de vos pleurs. Ce qu'il veut dire par là, c'est que si on console une personne, il faut essayer de comprendre pourquoi cette personne est dans la peine. Qu'est-ce qui l'a amené à
la peine afin de l'aider. Parce que l'aide, ce n'est pas de consoler quelqu'un, c'est de l'aider à ne plus pleurer. Et pour cela, il faut savoir se consoler soi-même. Je répète, quelque chose de très important, parce qu'actuellement, là, c'est vraiment un enseignement dont tout le monde a besoin. C'est-à-dire que vouloir aider les autres, c'est avoir la certitude que nous sommes capables de nous aider nous-mêmes. Il est très inconvenant, on va dire, de vouloir faire avec les autres ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Donc ça, c'est très très important. Ce que je suis capable de faire pour moi, alors je serai capable de faire pour les autres. Mais si je ne suis pas capable de le faire pour moi, n'essayez pas d'aller vers les autres pour... Vous savez, il y a une chanson de Goldman qui est très jolie qui dit « On va soigner en Afrique des malades parce qu'on ne sait pas se guérir soi-même, pour oublier sa propre maladie. » Mais si vous voulez être dans l'évolution véritable, atteindre une force, sachez vous guérir d'abord, parce que vous serez une puissance pour guérir les autres. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai remarqué le plus dans notre chemin de vie. Mais pourquoi souvent, moi, on m'envoie toujours des gens qui ont une peine que j'ai vécue et que j'ai surmontée. Et je suis sûre que si je n'avais pas vécu cette peine et que je n'avais pas su la surmonter, je ne pouvais pas aider cette personne, c'est sûr. Donc vos amis, ils ont couvert vos dettes, mais l'argent que l'on distribue est à nouveau dépensé, car sa valeur n'est pas comprise. Ça, c'est quotidien. Vous avez remarqué, un voleur, il n'est jamais riche, parce que ce qu'il a volé le dépense si vite, ça ne lui a rien coûté. Aucun effort supplémentaire. Vous voyez ? Alors, si une amie vient voir parce qu'elle a un problème, une dette, il est bon de l'aider si vous pouvez le faire. Mais en lui disant, quand tu pourras, tu me rendras. Parce que si une autre amie vient et qu'elle est la même peine que toi, que je puisse l'aider. Ce que je te prête, c'est pour que tu me rendras, c'est pour qu'un jour je puisse aider une autre personne. Parce que ce que vous avez donné et que vous n'avez plus, si une autre personne vient vous le demander, vous ne pourrez pas l'aider. Mais si vous aidez une personne en lui faisant promettre de vous le rendre, eh bien, ça vous permettra plus tard d'aider une autre personne. Ainsi, il ira le chemin de la vie. Et cette année aussi, ça l'obligera à travailler, à aller vers une force pour gagner ce qu'elle sera obligée de vous rendre. Ça permettra donc de vous aider. J'ai eu le cas d'une jeune femme, il y a très très longtemps, qui était seule avec un enfant et qui venait de perdre son travail. Elle était venue nous voir, elle nous avait demandé de l'aider. Et nous l'avons fait. C'est-à-dire, nous l'avons aidé à trouver un appartement convenable, nous l'avons aidé à trouver un travail, et pendant tout le temps de lui trouver l'appartement et le travail, nous l'avons aidé au quotidien. Mais nous avions fait le nécessaire pour qu'elle puisse nous rendre par la suite ce que nous lui avions avancé. Et heureusement, parce qu'il y a eu quelques temps après, quand elle nous a rendu ce que nous lui avions avancé, nous avons eu une autre personne qui était aussi dans la peine et nous avons pu l'aider. Sinon, ce n'était pas possible. Vous voyez ? Et j'ai remarqué que les personnes à qui on donnait retombaient systématiquement dans la dette. Parce que ça avait été d'une facilité telle qu'elle n'avait pas appris à rendre ce qui lui avait été donné. Donc elle n'avait pas atteint une force qui l'a libérée de nous et nous d'elle. Donc ça a une importance capitale. Une seule de vos blessures, mais vous retombez dans la maladie car vous n'apprenez pas ce qui crée les malaises du corps physique. Porter l'aide à une personne qui est blessée ou qui est malade, il va falloir aussi essayer de comprendre avec cette même personne ce qui l'a rendu malade, parce que la maladie est toujours liée à la maladie de l'âme. Toujours. Nous construisons la maladie du corps physique quand nous n'avons pas compris, nous n'avons pas réglé ce que nous avons laissé de côté. Va être la cause de la maladie.
Moi, je vous assure de ça, c'est certain. Par exemple, moi, j'ai remarqué dans les gens qui viennent que la maladie, l'asthme, la boulimie, la anorexie, tout ça, le cancer, était toujours lié à quelque chose du passé. Et on pouvait des fois aller jusque dans l'enfance, qui était la cause de la maladie d'aujourd'hui, était liée à quelque chose de non compris, de non réglé, ou à une souffrance aussi qui n'était pas comprise. Vous voyez ? C'est pour ça que je répète que j'aimerais bien, moi, que tout le monde ait la notion véritable du karma, parce que c'est la clé aussi de la libération de l'âme. Pourquoi j'ai vécu cette douleur? Pourquoi j'ai vécu ce rejet, par exemple, une mauvaise action qu'on a fait envers une personne, qui va être la cause d'une maladie future? Si on a la réponse, ce qui rend malade, c'est l'injustice. Le karma nous permet de comprendre qu'il n'y a pas d'injustice, que ce que nous avons vécu, l'expérience douloureuse, ou parfois joyeuse aussi, est toujours liée à nos vies passées. Donc, en fait, ça va nous aider à surmonter et à aller vers quelque chose de plus particulier, de plus doux. Parce que, en fait, on peut guérir de nos peines, parce que ce n'est pas injuste. J'ai eu le cas de quelqu'un qui me disait, un monsieur qui me disait, « Non, mais moi, attendez, mes parents ne m'ont pas aimé. Et moi, je garde ce manque d'amour depuis toujours. » Et quand on remonte dans le karma, eh bien, on voit que ce monsieur, en fait, a préféré les voyages, la découverte, que de donner de l'amour à ses enfants. Alors, je lui ai expliqué que ce n'était pas une punition, mais c'était sûrement pas pour reproduire. Donc, je lui disais, c'est pour que vous, en tant que père, vous développiez des sentiments d'amour et de protection envers vos enfants, et puis peut-être envers d'autres enfants, parce que comme par hasard, il était instituteur. C'était très amusant. Donc, il avait déjà plusieurs... Mais il reconnaissait qu'il n'arrivait pas à avoir avec ses enfants un comportement véritable de père, parce qu'il n'avait pas de notion de ce que c'était. Donc, on a travaillé sur le karma, et aujourd'hui, ben, il a fait une grande démarche envers ses enfants. Parce que c'était très amusant, parce qu'il disait, je suis un très bon instituteur, j'aime beaucoup mes enfants, mais j'ai du mal à m'occuper des miens. Il avait cette... je trouvais beaucoup d'humilité pour avouer ça, et je trouvais que c'était... Je dis, vous savez, je vous aime beaucoup pour me dire ça, parce que ça veut dire que vous me faites une grande confiance, et que vous avez confiance à ce que je suis sans non-jugement. Et je lui ai dit, vous me faites un grand honneur, monsieur, de me faire confiance. Parce que je trouvais que c'était très honnête et très délicat de dire ça à quelqu'un. C'était très difficile pour lui. On a fait donc un bon travail. Et il fallait savoir aussi que ce monsieur avait de l'asthme depuis toujours. Et donc, il avait des crises d'asthme épouvantables. Il m'a téléphoné suite à pas mal de temps que l'on s'est vu, en me disant qu'il n'avait pas eu depuis de crise. Alors, il me dit, je vous remercie, et moi, je lui réponds que non. Qu'en fait, que moi je l'avais peut-être aiguillé vers quelque chose pour qu'il se guérisse, mais que c'est parce que lui avait fait l'effort de se comprendre, de se pardonner, de s'aimer, qu'il allait pouvoir maintenant pardonner à ses parents, de leur donner de l'amour, même si ce n'était pas de l'amour avec des souvenirs agréables, pas bêtement non plus, mais pouvoir alors aller vers la guérison. Donc, c'est lui qui a fait le travail. Moi, j'étais là simplement pour lui expliquer pourquoi il en était à ses étouffements et pourquoi il avait du mal à se rapprocher de ses propres enfants. Voilà. Vos amis vous nourrissent, mais vous ne savez pas gagner votre pain quotidien et vous avez toujours faim. Hein? Alors là, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est très bien ces associations qui donnent une aide alimentaire. Mais moi, j'aimerais bien qu'à côté de ces associations, il y en ait une autre association qui aide les mêmes personnes à aller vers gagner leur pain, à aller vers une action de travail. Parce que, moi, un jour, j'ai dit à quelqu'un, la fierté de gagner son propre pain est une libération extraordinaire de l'âme. Ça libère. On est un homme, une femme libre.
laisse porter par les autres. Donc, il faut aider, donc aider, mais en même temps, il faudrait que des structures pour aider, faire travailler ces gens, pourquoi pas. Moi, un jour, j'avais dit dans la région, il y a un village où il y a beaucoup, beaucoup de RNistes. Je ne dirais pas le village. Il était dans, donc j'avais connu le maire à l'époque. Et donc, dans ce village, il y a beaucoup de RNistes qui passent leur temps dans les cafés. Il y a beaucoup de cafés dans ce village. Je vois sûr que pour un village comme ça, il faut casser 6 cafés. Et tout travaille, parce qu'il y a donc qui sont là-bas dans les cafés, pas les hommes. Et bon, des fois, il y a des déviances qui vont vers la drogue. Il y en avait beaucoup. Et j'expliquais, mais pourquoi pas, puisqu'en plus, dans ce village, j'avais remarqué que les rues étaient très sales, qu'il y avait vraiment il y avait beaucoup de travail, il y avait égayé, abaissé le village, il y avait beaucoup besoin de main-d'œuvre. Et je disais, mais pourquoi ne pas faire, justement, faire travailler toute cette communauté, ce qu'avait compris avec Pierre d'ailleurs, hein, de les faire travailler pour se retrouver en tant qu'être humain, comme tous les autres du ciel qui travaillent à chercher de la nourriture, hein, et ils ont fait ça très loin, et bien il est très bon pour nous aussi de faire la même chose. Et moi je trouvais que ça serait très bien. Il ne m'a pas trop entendu, c'est dommage. Parce que je pense que ça aurait été vraiment formidable pour tous ces gens, et même pour le village. L'acceptation de ce... Parce que ça faisait deux tribus. La tribu des ennemistes et la tribu des gens du village qui travaillaient. Donc moi je trouvais ça dommage. Et je trouvais que l'oisiveté ne nourrit pas l'âme. Je ne parle pas de corps, mais je dis l'âme. Donc, voilà. Il vous donne à boire, mais vous perdez la source. Là, c'est tout à fait très mystique. L'ami vous donne à boire, c'est-à-dire qu'il est toujours là, il vous écoute. Vous savez, je répète toujours qu'à ses amis, on ne montre pas son vrai visage. Et pour savoir si c'est là, il y a une clé, c'est que vous partez, on vous met en haut de la montagne pendant un mois avec nos meilleurs amis à vivre pendant un mois. Il y a toujours à un moment donné, ça va plus, il y a une boue qui se passe. Parce qu'à un moment donné, on va lâcher prison et on va se montrer tel qu'on est. Et là, donc, les uns comme les autres, il va commencer dans des conflits. Mais c'est là que si on se montre des conflits, on devient alors fraternel. Ça n'a rien à voir. La fraternité et l'amitié n'ont rien à voir. La fraternité, c'est l'une et l'autre en nous connaissant dans ce qu'il est, dans ses perfections et ses imperfections. L'amitié, on nous montrera que ce qu'on sait bon de nous. On veut tout ça. Parfois, des amis vous possèdent car ils oublient de vous laisser vous accomplir. Si vous savez, c'est... Voilà, moi je dis tout ça. Hein. On est deux amis, on s'entend très bien. On a des enfants du même âge, on partage nos soucis, nos joies, on va au jardin d'enfants, on fait des gâteaux, on fait des goûters, et puis voilà. Puis un jour, on rencontre une autre personne avec qui on lit affinité. Et vous vous retrouvez confronté à des choses qui n'est pas possible, à une colère de l'autre qui n'a pas compris que l'amour était le même pour cette même personne, mais qui tout d'un coup se sent évincé. Se sent comme si on lui prenait une place, c'est comme un divorce. Hein? Je ne sais pas si vous avez vécu ça, moi je l'ai vécu plusieurs fois. Alors, quelque chose comme ça, parce que, en fait, c'est moi qu'on a aimé. C'est moi. Alors que nous, l'amitié, vous savez, moi, un jour, quelqu'un m'a dit que j'étais très jolie, et je remercie encore cette personne parce que j'avais été dans une affaire qui m'a laissé d'une grande solitude où je ne voyais ni famille ni amis. Et cette personne m'a dit quelque chose que les anges m'avaient dit mais que je n'avais pas entendu. Parce que j'entendais toujours ce qu'ils me disaient. Je leur demande bien le pardon. Et de me le répéter par une autre personne, ça m'a fait tilt. Elle m'avait dit fort, tu sais, il est bon qu'on nous sépare de ce que nous aimons parce que ça nous permet d'aller vers autre chose. Et c'est vrai. Hein, parce que quand on a tout appris l'un de l'autre, nous partons ailleurs pour découvrir d'autres choses et c'est très riche. Hein, très riche d'enseignement. Et c'est vrai que moi, chaque fois que j'ai eu des coupures, des ruptures dans ma vie, j'ai rencontré après, par la suite, d'autres personnes qui m'ont mis au milieu d'autres choses et qui m'ont appris beaucoup.
j'ai rencontré tellement de gens dans ma vie aujourd'hui que je connais un peu les premiers parce que ça m'a permis de vraiment me voir à travers eux aussi. Me voir à travers eux parce qu'on est toujours miroir de l'autre. Mais aussi à découvrir ce que l'autre pouvait m'apporter. Une image délicieuse a fait une pause et puis l'a ajoutée. Voilà qu'un homme passe par là et voit son ami se noyer sans hésiter et se jette à l'eau. Mais il ne savait pas nager lui-même. Et tous deux se noient. Là aussi, c'est pareil, moi, ça, j'avais vécu. Quelqu'un venait me voir dans une grande peine de détresse, ou dans un grand chagrin, bouf, je me noyais avec et on se noyait ensemble. Et dans une espèce de prise d'émotion et tout, et après, on est submergé par quelque chose qu'on ne peut plus assumer et qui nous noie avec la personne. Hein. Donc, ça, j'ai appris maintenant. Et dès que mon ami demande tout d'abord de bien réfléchir, suis-je vraiment capable de l'aider? Suis-je à la hauteur? Mon assistance est-elle bonne pour la réussite de sa vie et la mienne? Et bien, ça, c'est très important. Et ensuite, je vais vous donner encore un exemple de vécu. Il y a une affaire de mari où je m'occupais de malade du Soudan. Et j'étais très fatiguée, c'était le plus début où j'avais vraiment été malade, ça, je vous l'ai déjà dit. J'avais remarqué un truc, c'est que beaucoup de gens venaient de l'émotion à l'époque, ils étaient tellement rejetés, alors que j'avais des gens qui voulaient, qui étaient en pleine recherche, ça voulait spirituel. Et donc, surtout dans les années 89, 90, 90, là, c'était vraiment le boom. Et donc, vous avez plein de gens qui disaient, attends, je viens, je vais les aider, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'était de bon cœur, vraiment sincère. Seulement, vous savez, ils s'expliquaient, et je leur expliquais, je me suis dit, c'est moi complètement pour ça, parce que le point d'intérêt, c'est que le malade, tant qu'il n'était pas dans les phases de terminale, ça allait, parce que c'était appris avant le problème, on ne sait pas, on ne sait pas pour ça. On avait regardé l'autre qui était dans les coins de l'autre, merci, que tu es gentil, que tu es bon, donc on est content, on est dans les goûts là, hein, les goûts, on va t'appeler ça un peu de sainteté, merci, merci. Et puis, il y a un moment où le malade est à l'hôpital. Et là, on rentre dans une autre, c'est plus, comment dire, brillant. C'est-à-dire que là, on est enfermé avec un malade et une seule dans une chambre d'hôpital, seul. Personne ne vous voit. Le malade est malade pour vous admirer. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, je trouve ça vraiment très douloureux parce que nous avons des malades alors qui étaient en phase terminale, qui ne comprenaient plus, qui se sentaient rejetés d'autant plus qu'ils avaient donné amour. Et qui s'était complètement mis sur le plan de cette décennie qui devait normalement les amener jusqu'à la phase terminale. Et donc après, je me suis sentie aussi fétive, parce que je n'avais pas su voir ça, je n'avais pas su le voir. Et donc après, j'ai travaillé sur ça, c'est-à-dire de bien faire comprendre la personne l'engagement que c'était. L'amitié, c'est un engagement. Et là, surtout dans un état comme ça, ce n'est peut-être pas pour toi que tu viens, c'est pour le malade, mais c'est jusqu'à la fin. Donc voilà, ça c'était, vous savez, on retrouve dans ce truc, je me noie dans ce que je croyais pouvoir faire, que j'étais très sincère. Mais à un moment donné, enfermée dans ma chambre par l'hôpital, sans le regard admiratif, dans les odeurs, parce qu'il y avait brûlé, c'était quand même des malades. À l'époque, maintenant il y a beaucoup de progrès, à l'époque c'était beaucoup dans les odeurs et dans des choses très difficiles qu'il fallait assumer, hein, malade blessé, des trucs. Et là, alors on était perdu, la personne se noyait complètement, certains partaient avec de la peine, ils ne pouvaient pas aller plus loin, d'autres c'était parce qu'ils n'étaient pas reconnus, mais il n'y avait pas que ça quand même. Hein. Il y a tout un événement. Donc là-dessus, j'ai dit attention. Suis-je vraiment capable de m'aider? Suis-je à la hauteur? Mon assistance est-elle bonne pour la réussite de sa vie et la mienne? Un ami passe près de la rivière, il voit son ami se noyer.
moment que son doigt te dit « je refuse d'apprendre à nager ». Moi, je trouve ça. Vous savez, apprendre votre à ne plus avoir besoin de vous, le jour où votre ami n'a plus besoin de vous, c'est une chose extraordinaire. Voilà. La réponse me dit « ok, du coup, personne. » Moi, je réponds, moi, je te demande, je t'en dis. Si vous ne me demandez, c'est que tout va bien. Si tout va bien, c'est que j'ai fait ce qu'il fallait, je suis contente. Voilà, tu dois trouver une aide qui est appuyante, je ne sais pas, mais c'est une. Je trouve que c'est quelque chose de très beau de savoir qu'une personne n'a plus besoin de vous. Vous voyez ? C'est une vie de ça. C'est un peu comme une maman quand son enfant est marché, travaille et tout ça, et qui n'a plus besoin de vous. Ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà, il n'a plus besoin de vous. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, et maintenant, il n'a plus besoin de vous. Voilà. Ça, c'est vraiment la chose la plus jolie. C'est pas facile, hein, d'accepter. Pas facile. L'amitié est une chose merveilleuse. Il est bon de tendre votre main pour aider un ami qui se noie, et il est préférable de lui apprendre à nager afin qu'il n'ait plus besoin que vous le sauviez. Un bon ami, c'est formidable. Si il aime, en laissant l'autre la liberté de grandir. Les amis arrivent toujours pour adoucir vos chemins de vie. Ils sont là devenus des anges gardiens. Vous avez remarqué que c'est quand vous êtes vraiment dans la grande peine, que vous avez vraiment un gros souci, que l'on rencontre des personnes aimantes et qui vont vous donner leur amitié. Ça, c'est l'aide des anges gardiens. Mais après, l'amitié est aussi un travail. Hein, c'est aussi, comme vous êtes peut-être depuis le début, l'amitié exige un comportement qui est toujours pensé à l'autre avant de penser à soi. Donc, il faut être très fort soi pour pouvoir donc après libérer l'autre et l'aider. Il faut envoyer de vous pour vous aider à reprendre le courage dans l'adversité. Mais sachez qu'il ne faut que pour un temps, car vous devez toujours rester libre d'aller et venir afin d'évoluer. Ensuite, il a fait une pause et il a dit, confie de toi tes ennemis. Il se tombe à pied afin de déposer ton ego et tu es descendu profond jusqu'à ce racine. Quand il dit ton battu, bien entendu, ce n'est pas que battu des coups de bâton. Ce que je veux dire, que vous avez quand on a lu les épargnés à tous ici, des fois de vivre une épreuve où on s'est senti complètement battu, comme si on avait été frappé. Moi, je vous appelle ça frappé de la foudre, on est complètement abattu. Et là, si on veut s'en sortir, il va falloir détruire le niveau et bien descendre jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Vous me relevez, c'est quelqu'un qui a été battu, on va dire, à mort. Il va être obligé non seulement de se laisser en porte ici, mais il va falloir aussi qu'il descende jusqu'au plus profond de lui pour remonter et détruire son ego et remonter dans sa réalité, son jeu, jusqu'au grandier, jusqu'à ce que tu atteignes ta pureté. C'est vrai, c'est devenir une amende. La main de l'échappée, si vous la croisez, vous remarquerez que c'est la même chose qui va sortir. C'est tout le blanc qui va remonter. La peau, le poil, va aller dans le fond et c'est le blanc qui va remonter.
Thank you.
Thank you.